Bienvenue sur la chaîne Jeanne Créa. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul action du 7 mars. Pardon, excusez-moi. Oui, du 7 mars 2020. Bon, je vais commencer par ce qui est beauté, rangement, voilà. Donc, beauté. À 99 centimes. Ces petits chouchous-là. Donc, ceux-là, ils sont en lyrex, ce qu'ils appellent ça. Donc, voilà, ils sont comme ça. Ils sont assez bien. Moi j'ai les cheveux assez longs, plus trop là maintenant, mais bon. Et j'ai pris ceux-là en léopard et noir, les basiques. Et ça c'est 99 centimes les deux chouchous, ça va. Ça sera arrangé après, voilà pourquoi je fais ça. Ensuite, beauté si. Là alors, je l'ai mis sur moi. Donc c'est la Gommate, c'est une nouvelle gamme chez Action. C'est la numéro 7 Mattifying Finish Power. Donc c'est la 155 translucide. Donc la poudre de finition matifiante donne à votre peau une finition mate et réduit la brillance. Donc voilà, je vais essayer de me rapprocher. Donc c'est pas mal. Je connais pas, donc je teste. Vous savez, je me maquille pas trop, donc je me maquille rarement. Donc ça c'est bon. Je m'en occupe après à ranger. Ensuite, en rangement, j'ai pris cette petite poubelle pour mettre sur mon bureau. Soit ici, soit l'autre là-bas. Pour quand je fais des découpes et tout, je trouve que c'est pratique. Et elle valait 98 centimes. Voilà, petite poubelle blanche en rotin, faux rotin. Ensuite, en rangement, j'ai pris ces boîtes-ci. Donc ça, c'est des boîtes de conservation à la base. Mais même pour mettre ma fimo, pour mettre des découpes, pour mettre des choses en scrap, elles sont pas mal. Elles sont à 1,95. Il y en a 5 dedans. Et elles font 1,2 litres. Et elles font 18 x 12,5 x 7 cm. Donc voilà, elles sont bien. Je les ai testés et je suis assez contente. Ensuite, on va passer à ce qui est... oui, encore tout ce qui est peinture. À ce qui est encore rangement, on a ça. Des sacs refermables mini. Donc je sais pas si c'est pour la congélation, mais moi je m'en sers pour autre chose. Ils sont à 98 centimes, 99 centimes. Voilà, et il y en a 25 dedans. Voilà. Je sais pas si je me suis pas plantée, mais bon, c'est pas perdu. Ensuite, à ce qui est peinture. J'ai pris ce bloc-là parce que mon prof m'a dit qu'il était bien. Et vu que j'aime bien dessiner, bon, c'est du 130 grammes. Mais je me dis, pour dessiner et tout, donc il y en a 50 feuilles, il fait 130 grammes, il en acide fruit, je crois qu'il est la semaine prochaine, il est en promo. C'est de l'A3. Donc oui, mercredi, il sera en promo, je pense. Et là, on est le... Donc, 7, 8... On est le 9, là. Sketchbook, et voilà. Et ça, c'était 1 euro... Non, 3 euros. Enfin, je me rappelle plus combien il coûte. Combien ça coûte, ça? 3,79. Mais il va être en promo, je crois. Donc voilà, et puis c'est pas mal, hein. Mon prof il a dit que c'était de la bonne qualité, donc vu que j'ai des dessins à faire aussi, donc voilà. Puis je pourrais me le racheter quand il sera en promo, il sera moins cher. Voilà. Ensuite, pour continuer encore, tout ce qui est un peu peinture. Peinture, j'ai trouvé. Désolée, c'est mon portable. Ces pinceaux-là, donc ça c'était 1,99, donc c'est des sets de pinceaux professionnels. Bon, c'est des petits pinceaux, hein. Voilà, c'est plus pour la patouille, moi je l'ai pris. Et c'est pour couleur acrylique et couleur à huile, voilà. Voilà ce que j'ai pris. Ensuite, en peinture, toujours à 1,29, voilà. J'ai trouvé les nouvelles acryliques métalliques water. Donc il y a la couleur white, champagne, light pink, lilac, rose et gold et lime.
C'est des jolies couleurs. Voilà. Vous voyez, ça va mieux. La gold, la pink, la purple, la blue, la green, la black. Elles sont un peu plus pigmentées encore, je crois. Et la copper, la bronze, la silver, la rust, la gold et la champagne. Donc on a deux fois la champagne, mais c'est pas aussi, c'est le même. On a deux fois gold, mais c'est pas le même. Je l'avais pas. Non, c'est pas le même. Je pense. Bon, bref. Et en fait, vous vous rappelez qu'avant, donc là j'ai l'ancienne, il y avait le gold, le silver et tout. Donc je l'ai encore l'ancienne. Voilà. Donc voilà. Donc 1,29€ pièce. Enfin, moi je les ai toutes. Plus qu'à travailler. Ensuite, dans le rayon pack, on repassera au rayon après normal. Dans le rayon pack, les 6 porcelain maker. Donc là, il y en a 6. Et ça, c'est des couleurs basiques. Voilà, les couleurs basiques. Et ça, c'est 1,59€. Voilà. Et dans le rayon pack, bon, je ne vais pas l'ouvrir parce que je sais ce qu'il y a. Donc, il y a une feuille comme ça. Un cercle brodé qui sont vraiment grands. C'est pas mal, hein, les cercles brodés. Et puis ça, ça coûte extrêmement cher dans les magasins de loisirs créatifs. Et le dépliant pour expliquer, et ça. Voilà. J'ai encore repris le kit du lapin. Après, peut-être que je reprendrai d'autres kits. Que je trouve que c'est pas cher. C'est 1,49€. Et on sait combien coûte le cercle à broder. Et moi, je vais peut-être faire, ouais, comme j'ai vu sur une vidéo, des photos, mettre des photos. Ou faire aussi un exemple avec vous en pack. Je sais pas. Voilà. 1,49€, c'est ça. Je me trompe pas. Oui. 1,49€. Donc, très bien. Pack, c'est tout pack. Oui, c'est tout pack. Ensuite, on retourne dans le rayon créatif, adulte. Donc, les nouveaux petits gestomes. Alors, moi, je les ai pris en, comme vous pouvez voir, vert, un peu vert d'eau, bleu. Vert. Bon, bah, il y a un côté qui est abîmé, moi. J'ai pris cher la boîte. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, ça. Moi je m'en servirai quand même. C'est pas grave. Ou c'est peut-être fait exprès. Voilà. Donc celle-là, ça coûte 74 centimes. Et il y en a. Je sais pas, ils disent pas combien il y en a. Hein. Non, je crois pas. Hein. Non. Bah, moi la boîte, elle a été enfoncée, quoi. Bon, c'est pas grave. J'en rachèterai de toute façon. Ensuite, j'ai pris ce bloc de feuilles que vous connaissez tous et toutes. Donc, il y a des feuilles plus fines et il y a des feuilles plus épaisses blanches. Il y a des feuilles plus épaisses marron, craft. Elles sont pas mal. Hein. Et en noir. Voilà. Et ça, c'était... J'ai pris le modèle avec les fleurs. Je le trouve trop beau en plus. Et ça, c'était 1,95€. Voilà. Ensuite, dans le rayon créatif encore... Alors là, je vais pas vous faire un test maintenant, parce que voilà, il faut, voilà. Je vous fais écouter le bruit que ça fait. Voilà. Sur du verre, ça fait... Bon, c'était pour imaginer, quoi. Ça fait un bruit, je vous dis pas. Donc ça, c'est le pyrograveur pen qui fait pour... Donc je vous l'ai déjà fait voir sur ma chaîne, mais en fait, moi, j'ai eu un qui marchait pas. Et bien sûr, j'avais pas gardé le ticket de caisse. Et voilà. Donc j'en ai racheté un. Donc il fait le métal, il fait le cuir, il fait le bois et il fait le glace. Donc voilà. Et il y a des pochoirs dedans. Donc là je vous le fais voir les pochoirs, je ne vais pas vous les sortir. Voilà. Et il est pas mal, je pense. Il faut que je teste ce que je veux faire avec de toute façon. Alors je teste. Ensuite, on finit. Avec pas grand chose, j'ai pris des pochettes comme ça, donc ça c'est 45 centimes les deux, donc j'en ai pris 3 paquets comme ça, une transparente, et j'en ai pris des comme ça, là, les pochettes comme ça pour mettre dans les classeurs, voilà, et ça c'était, ça j'ai dit combien, je vous ai dit quoi comme prix,
ça peut marcher. 45 centimes. Et ça, c'était 98 centimes, je crois. Voilà. Et il y en a 20. Donc voilà. C'est très bien. Voilà pour ça. Et pour finir, chez Action, j'ai trouvé les nouveaux tassels. Donc les nouveaux glands panachés, ils appellent ça. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-ci. Voilà. Et j'ai pris celui-ci. Donc ça, je vous ai dit 79 centimes pièce. Cool, et il y en a 8 pièces dedans. Donc ça va. J'ai quoi faire. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis, vos envies dans les commentaires. À liker cette vidéo si elle vous a plu. À vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Vous plaisent. Oui, vous plaît. Oui, bon, bref. À cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!